Normalement, je fais tous mes films en anglais parce que c'est ma langue maternelle et on atteint plus de monde. Mais il faut que je vous avertisse sur le danger et certains aspects de L'ennemi de l'intérieur et Manuel Valls, desquels personne n'en parle comme c'est tellement tenu dans le plus haut secret par cette bande d'octogones des nazis templiers. Et pour mieux camoufler la vraie nature nazie de Manuel Valls, qu'est-ce qu'il y a de mieux de se lier avec une femme juive, comme la violoniste Anne Gravoin? Comme ça, personne aura des soupçons de ses vraies intentions fascistes et nazies. Et en tout cas, avec la juive, c'est seulement une question de tenir sa main devant les médias et de remplir des devoirs conjugaux et physiques, car sa descendance a déjà été sécurisée avec de la génétique comme il fallait, avec laquelle il a eu 4 enfants comme il faut, avec de la bonne Blanco. Et là, dans Wikipédia, sur Manuel Valls, il y a marqué le chapitre antisémitisme. Manuel Valls entretient de bons rapports avec la communauté juive de France et il dénonce l'antisionisme. Et là, il y a marqué le Shoah. Et par ma femme, c'est ce qu'il dit, par ma femme Anne Gravoin, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Bon, les politiciens, hein? Anne Gravoin sert juste la bonne couverture politique pour dissimuler ses intentions nazies suisses. Comme en fait le Suisse Valls a lui-même nous déjà transmis par ses propres mots au sujet de ses blancos et de son expression au sujet de sa préférence raciale à lui. Ben, le commandant Hamon Göth, du camp de concentration Plaszow, dans la liste de Schindler, avait aussi une juive pour chauffer son matelas. Pour les nazis, les culs n'ont pas de couleur, seulement la descendance, là. Et là, dans cet article-là, dans le web, vous pouvez lire comment les juifs ont été violés pour les nazis. Et la stratégie politique, bon, mais dans ce genre-là, mais c'est comme un viol, hein. Et là, dans ce film-là que j'ai réalisé, là, sur cette chaîne-là, j'ai mis la preuve que les camps de concentration, la Seconde Guerre mondiale, tout était organisé et financé par des Suisses. Et dans ce film, on trouve ça, c'est un autre film que j'ai fait, et qu'en fait, le Croix-Gammée qu'on voit là, ça vient d'une. Le Croix de Templiers. Donc c'était des nazis Templiers. Ce que j'explique aussi dans Octogone, règne sur l'Hexagone. Et ça, en fait, c'est une pyramide. Quand on le lève ici, on aura une pyramide. Mais ce sont les pharaons. Les nazis, c'était les pharaons. Et là aussi, dans ce livre d'Hélène Zinreich, que rape, le viol pendant le génocide, c'était un truc qu'on n'en parlait pas entre nous et du tout. Comme on le sait, monsieur le Premier ministre est suisse par sa mère Louise Angela Galfetti, issue d'une famille super riche qui a fait fortune en Afrique avec de l'or de Sierra Leone, et l'oncle suisse Aurelio Galfetti de Manuel Valls a fait ses études d'architecture à l'école polytechnique ETH de Zurich, où Rudolf Hess, le remplaçant d'Adolf Hitler, a également étudié en 1922 et où il a pu nouer des contacts avec les nazis suisses pour faire financer Adolf Hitler, qui, pour ce but-là, est venu en Suisse le 30 août 1923, comme on le voit ici. Il est en Suisse là. Pour se faire financer avec 30 000 francs suisses, valeur 600 000 euros aujourd'hui, par le général suisse Ulrich Wille, descendant du von Bismarck par sa mère. Donc ce film est anglais, les preuves sont là-dedans, que les Suisses ont financé Adolf et Rudolf Hess à Zurich. Il a fait ses études à la même école que la famille de Manuel Valls, il était en Suisse, quoi. Ça vient tous de la Suisse, hein.
Et ça, c'est une vidéo sur les cellules et les agents dormants suisses aux États-Unis, avec des preuves, des photos, etc. C'est en anglais. Et donc, va aller voir le film que je vais montrer là dans les images. Et ceci donne ensuite qu'Adolf, pendant toute la guerre, a pris les ordres des généraux suisses et n'a jamais envahi la base de l'élite financière mondiale dans les Alpes, de laquelle Manuel Valls est un agent dormant de 100%, aussi de son côté catalan, aussi d'origine suisse. Car il y a deux sortes de nazisme. Le nazisme pour les riches, comme Valls, la Suisse, ou ce milliardaire de Saint-Cloud, Le Pen, on le voit là, hein, l'autre, qui essaie à travers des siècles maintenant de mobiliser le nazisme pour les pauvres, de ce malheureux ouvrier avec la crâne rasée qui voit la fille qu'il désire avec des noirs et des émigrés en Mercedes et se laisse mobiliser pour faire le sale boulot pour le nazisme des riches. Pareil, comme les Suisses ont fait avec des Allemands qui ont pensé de se battre pour ce truc germanique, tandis qu'ils ont détruit l'Allemagne. Pareil comme l'État islamique pense de se battre pour l'islam. Donc là, dans ce film, on voit « Je suis Charlie Hebdo ».« Je suis Charlie ».« Suisse avec un SS dedans ben, ». Ils ont derrière le financement. Hein. Et les preuves sont dans cette vidéo-là. Et l'État islamique, comme les nazis, sont financés par des banques suisses qui ont eu une licence bancaire en 2008 sous la pression américaine sur des banques suisses. Et en revanche, le FIFA suisse de Sepp Blatter a donné la Coupe du Monde de 2022 à Qatar. Voir ma vidéo en anglais là-dessus, comme ceci, et ça sur le financement d'Hitler. Je vous le mettrai dans les liens. Manuel Carlos Valls Galfetti est né à Barcelone en 1962 d'une mère suisse et d'un père catalan, mais aussi suisse. Et il n'a aucun goutte de sang français. Et quand il avait 20 ans, la cinquième colonne de cette cellule dormante suisse en France décidait que Manuel Carlos de Barcelone aura des compétences pour la politique française. Et l'ont donné la nationalité française à l'âge de 20 ans. Comme un vrai immigré. Donc là, c'est le Wikipédia, vous pouvez le lire vous-même. Le petit bourge Manuel Carlos est aussi du côté de son père issu des super riches avec l'arrière-grand-père Maggi Valls y Bosch, comme les Bosch, qui fondait la banque Ponce y Valls et encore dans la possession de la famille de notre petit Chameleon, socialiste de droite. Tout le monde a vu le nom Bosch là-dedans. Bosch comme les Bosch. Oui, c'est un nom allemand et suisse-allemand parmi des ancêtres de notre Chameleon socialiste catalan, Blancos. Et ce Bosch de Bosch, fondateur de la banque, avait un fils, Joseph M. Del Bosch Glaber, qui vivait de 1854 à 1907, qui était le grand-père de Manuel Valls et qui était marié avec N.N. Marty, un nom typiquement suisse duquel il y en a 51 614 dans l'annuaire suisse avec des centaines de milliers en Suisse portant ce nom. Moi, je vois aucun nom espagnol là-dedans, comme Martinez, il y a plutôt Marty, comme en Suisse, il n'y a pas Martinez, il n'y a pas Gomirez, il n'y a pas de nom espagnol, quoi. Et la Bosch, comme les Bosch, hein, comme les perceuses allemands, Gelabert, bon, ce sont plutôt français, ou Vicence, et Valls, et là, il y a marqué banquier, là. De banquier suisse. Hein, mais, c'est clair. Hein. Il est 100% suisse. Pourquoi il n'y a personne qui parle la Suisse? Mais c'est évident. Plus, le nom Valls veut dire une vallée, comme le canton de Valais en Suisse, qu'on appelle Wallis, Valls, Wallis, en suisse allemand.
son nom bien pareil que Valls. Valls, valise. Le banquier, il vient de là-bas, c'est Suisse. Valls, valise, Valls, valise. Et quand on pense à une banque, comme la banque Valls, de Valls, 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 on pense automatiquement aux banques suisses, qui étaient en fait des premiers au monde, et fondées par des Templiers, qui ont fondé la Suisse en 1291. Ce que j'explique dans mon film Le Pharaon Show, ce qu'on peut voir là. C'est ainsi qu'en fait, toutes les banques du monde sont des banques suisses d'origine. Et ce vidéo-là, on le trouve maintenant sur des milliers de websites, et il y en a des centaines de pages sur Google. Donc, le Pharaon Show, il y a beaucoup de réponses là-dedans. Donc, avec Manuel Valls au pouvoir, il n'y a pas de risque qu'on va protéger Hervé Falciani dans l'affaire de la banque suisse HSBC et l'évasion fiscale par laquelle les banquiers comme la banque Valls sucent 80 milliards d'euros français annuels et volés de la France par ce pharaon au pouvoir. Regarde mon film Fair Aristocracy là-dessus. Il y a marqué Fair Aristocracy. Et vous voyez, au début de la guerre, les Allemands, le frisé, ils avaient les croix suisses sur leurs chars. Parce qu'Adolphe, il était financé en Suisse par les Suisses et il pensait d'aller gagner la guerre très vite et que la Suisse soit. Voilà, il y avait partout des croix suisses. Là, 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 partout. Vous comprenez? Donc Valls, 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 Valls. Il est bien plus que 50% suisse, et peut-être même 100%. Et la raison pour laquelle les médias suisses les définissent comme un suisse est que là-bas, ils savent très bien qu'il est suisse. Même Obama a des ancêtres suisses. Et il y a marqué là, dans le Figaro, Manuel Valls s'est toujours montré discret sur ses origines suisses. Et c'est ça, c'est justement ça. Il faut pas qu'on parle de la Suisse. C'est pas bon pour les commerces, c'est pas bon pour ceux qui font. On parlait jamais de la Suisse. Hein, vous voyez, vous vous rendez compte que les médias, on parlait jamais de la Suisse. Ils ont jamais poursuivi la Suisse après la Seconde Guerre mondiale. Il n'y aura aucun gouvernement qui fera quelque chose contre la Suisse. Parce que la Suisse a été fondée par des Templiers. Et ils ont noué une étoile de francs-maçons qui prennent tous leurs ordres. De la Suisse et des Templiers nazis de la Suisse. Ce que j'ai montré dans mes autres films. Et là, pour un proche, il tire des racines helvètes certaines de ses qualités. Vous voyez, hein? Oh, la Suisse est toujours mieux que le croix des Templiers. La même couleur. Bon, mais les Templiers, ils étaient chassés de la France. Et ils sont cachés en Suisse. Hein? Dans les caves suisses, ils ont le trésor de Templiers est allé en Suisse. Et ils nous ont emmerdés depuis. Alors, pourquoi les Français, ils acceptent ce Templier suisse là? Ben, il faut que ça s'arrête. Hein? Il n'a aucun goutte de sang français. Et pour mieux comprendre Manuel Valls et la dictature qui s'installe petit à petit en France, il faut voir ce film-là, Octogone règne sur l'Hexagone, la tyrannie suisse en France. Et, ou encore mieux, la version anglaise, Octagon, the Empire of Darkness, ça dure beaucoup plus longtemps, car j'ai monté ma thèse en anglais et je ne peux pas tout refaire ici. Ça vaut la peine d'aller regarder pour mieux comprendre. Donc là, pour exemple, dans ce film, je montre que le croix de Templiers, ça vient d'une pyramide, parce que ce sont des pharaons. Les Templiers, ce n'étaient pas des moines, mais c'était des aristocrates, qui sont toujours encore au pouvoir. Tu penses qu'ils ont tout laissé, tout partenait à eux, la terre, le pouvoir, la bétail, même nos femmes, par le droit du Seigneur, le primae noctis. Le premier nuit, tu penses qu'ils ont tout laissé comme ça? Eh non. Maintenant, ils se cachent dans les loges franc-maçonniques. Parce qu'il y a eu quelques révolutions en Russie et en France. Et ils ont pris peur un petit peu quand même. Donc, tout est aux cachettes, comme en Suisse. Voilà. Donc, et le croix suisse, ça vient de là-bas aussi. Donc, pour mieux comprendre, Valls, 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 Valls.
Il faut voir ce film et savoir que ça vient de ce pays duquel on ne parle jamais, hein? La Suisse. Ce sont les lois du silence. Ils sont tous des potes, ces politiciens, issus de l'Octogone, la Suisse, car issus de ces Templiers qui ont fondé la Suisse et toutes les banques au monde, est née la franc-maçonnerie de laquelle tous les politiciens appartiennent. Ce sont des Templiers en Suisse qui donnent les ordres à l'étoile maçonnique au monde, partout au poste clé. Hein? Pourquoi tu penses deux guerres mondiales ont épargné la Suisse? Que toutes les policiers en France portent les armes suisses de Sieg. Tu penses que la France, état nucléaire, ne peut pas produire un petit pistolet? Et pourquoi le traître nazi Pétain s'est réfugié en Suisse en 1944-45, hein? Tandis que les vrais réfugiés et leurs enfants en danger de mort étaient refoulés de la frontière suisse. Et il y avait même des trains d'Holocauste les Suisses ont laissé passer de l'Italie vers l'Allemagne. Et pourquoi les autorités françaises refusent d'arrêter l'évasion fiscale vers la Suisse, hein? Ben, parce que c'est la Suisse et ces nazis templiers d'Octogone aux commandes en France. Et là, c'est le nid d'aigle d'Adolf Hitler dans la Bavière, dans le sud, là, à côté de l'Autriche. Mais c'est octogonal, parce que les Templiers, ils ont presque toujours construit leur temple et leur château fort dans une forme octogonale. C'est octogon, ce que j'explique dans ce film-là. C'est comme ça qu'on peut les reconnaître souvent. Il y a beaucoup de badges de policiers qui sont octogonales, de chapeaux de la police de New York, c'est octogonal. Les Gestapo, ils avaient des enseignes octogonales. C'est tout dans le film, là. Hein? Pour mieux comprendre Manuel de Wallis, le canton en Suisse, et en fait, la plupart des gardes suisses au Vatican, et pourquoi ils sont tous suisses? Mais ils viennent de Wallis, Wals, Wallis, Wals, hein? Catholique. Hein, Wallis, Wals, garde suisse, octogone. Voilà, c'est la Suisse, l'ennemi. Croyez-moi. Ces Templiers étaient des aristocrates et pas du tout des moines. Et l'aristocratie vient de Pharaon et qui se cache maintenant dans les loges secrètes. Un mec comme Sarkozy, par exemple, vient d'une lignée de vrais rois en Hongrie. Et cet aristocrate pur est aussi juif par sa mère grecque, par nom de André Mala, mais il sera toujours un noble et bourgeois, loin avant de se sentir juif. C'est comme le prince Charles, par exemple, qui ne fait pas vraiment partie de ces citoyens anglais, ou comme Louis XIV, qui voyait son peuple comme une espèce d'ailleurs. Et comme ça, il y en a aussi des aristocrates juifs, comme le roi David ou le roi Salomon, mais qui ne se sentent pas vraiment juifs. Pareil comme chez nous en Europe. Ce sont tous des véritables pharaons, comme le mot tsar dans Sarkozy nous dévoile, car tsar est le mot pharaonique pour un roi dans le démotique, comme dans une sarcophage, qui est une boîte pour foutre le roi dedans quand il est mort, ou comme son Altesse Royale, SAR, tsar. Et dans ce film-là, j'ai filmé ça en Corse et j'ai filmé sa maison en Corse, à Sagone, où il a carrément changé son nom en plus avec un Z et un K, Sarkozy, avec un Y, mais avec un I. Et ça donnait Nico Sarkozy. Mais ça fait vraiment Corse, non? Nico Sarkozy. Mais c'est pas du continent, hein? C'est Nico Sarkozy. Et il a sûrement parlé avec un accent et tout. C'est ça, ce caméléon-là politique. Tout ça et beaucoup plus, j'explique en donnant des preuves dans mes films en anglais, que la Suisse est la base des pharaons, fondée par leurs templiers et qui sert l'élite financière pour piller la France à travers leur cinquième colonne et agents dormants,
comme ce Suisse Manuel Valls, Valls, qui est si français comme Louis XIV ou l'ancien roi de France, Sarkozy. Et Sarkozy, sa maison est un peu à droite, ici à Sagone, en Corse. Là, c'est sur dans les montagnes, mais on peut voir sa maison sur la plage, directement sur la plage. Et ils ont évicté ce Corse de ses terres ancestrales où ils ont toujours vécu. Tous ces politiciens qui sont derrière. On ne leur donne même pas de l'argent en dessous. Complètement volé. Donc ça, c'était quand j'étais en Corse en 2013 que j'étais en contact avec, avec les Corses qui essayent de résister. Mais bon, s'il n'y a personne qui fait quelque chose en France, mais comment tu veux résister, hein, quand ils envoient des commandos avec des uniformes pour te faire criminaliser et de te jeter de tes terres ancestrales, hein? Dieu, ça vient tous du continent, hein? Et bon, mais ce qui est intéressant, que la maison de Sarkozy, c'est juste à côté, et il n'y a pas de doute, il est mêlé là-dedans, hein? La Suisse, la cave d'Ali Baba et des banquiers Valls qui essaient maintenant d'éradiquer la libre expression à travers de ces fascistes de Charlie Hebdo qui, pareil comme dans Der Stürmer, des nazis allemands, d'humilier des autres peuples et leurs croyances religieuses pour mettre les uns contre les autres, que Albert Pike, qu'on voit ici, avec ce Suisse encore plus dangereux derrière, par nom de Phileas Walder, ont déjà annoncé au XIXe siècle d'opposer le peuple dans trois guerres mondiales consécutives avec la troisième guerre entre des musulmans et des blancs à venir. Donc là, il y a marqué Phileas Walder, c'était sa main droite, mais en fait c'était lui qui est aux commandes. Et Albert Pike, avec ce Suisse, Phileas Walder, ils ont fondé dans ce but-là le Ku Klux Klan. Mais vous voyez le croix suisse sur un fond rouge. Et Ku, ça vient du mot allemand Ku, et Klux, comme la cloche, ça vient du mot allemand Glocke, la cloche. Donc qu'est-ce que c'est ce clan, le mot clan, on comprend, c'est une tribu. Des cloches des vaches, ben en Suisse chaque vache elle a une cloche autour de son cou, c'est très machiavélique et embêtant pour cet animal. Et mais le paysan peut savoir à n'importe quel moment où est-ce qu'il se trouve la vache et qu'est-ce qu'elle fait. Et en autre mot, où est-ce qu'il se trouve le nègre comme les esclaves et qu'est-ce qu'il fait, hein? Vous comprenez? Ça vient tous de la Suisse. Et en fait, le gouvernement suisse, au Parlement, ils ont officiellement, dans leur Parlement, le KKK. Pour consens, ça s'écrit tout en K en allemand, consens, compromis et concordance. Comme les Français, ils ont fraternité, égalité, liberté. Les Suisses, ils ont le KKK et c'est officiel. Voilà, on trouve également plein de croix suisses avec le truc des sudistes, qui est utilisé souvent par des nazis maintenant, parce que dans beaucoup de pays, c'est interdit d'utiliser le croix gammée, donc ils utilisent ça au lieu. L'état de dictature actuel ne me permet pas de m'exprimer librement là-dessus, si je trouve que l'attentat sur Charlie Hebdo était une chose bien ou non, sans risquer qu'on m'envoie encore une unité antiterroriste, mais j'espère que je peux dire que ces musulmans Koulibaly et le frère Kouachi étaient des gens courageux, sans que la dictature me traîne devant la justice pour me jeter en tôle, pour avoir donné mon opinion dans la dictature de Manuel Valls, qui n'est même pas français, après l'étymologie du mot « dictature » qui vient du verbe « dicter », et quand par définition les autres
où un groupe te dicte ce que tu dois dire et te prescrivent ce que tu ne peux pas dire. Et là, dans ce film, ça discute donc, et la preuve comment les Suisses et l'extrême droite, en fait, ils ont financé Charlie Hebdo pour faire des dessins fascistes et racistes pour faire avancer donc le but de l'extrême droite. Et il y a toujours la Suisse derrière, hein. Ils ont donné les armes au massacre de cette famille anglaise dans l'est de la France, dans les Alpes. Ils ont donné les armes aux nazis allemands récemment qui ont buté une dizaine de Turcs, etc., etc. Hein? C'est toujours pareil. Et ils ont financé Charlie Hebdo. Hein? Et pareil comme à l'époque, l'inquisition espagnole de Manuel Carlos Valls est en effet l'inquisition suisse. Basé sur cet horrible livre suisse du Malleus Maleficarum, écrit à Bâle en Suisse par ces deux Suisses inquisitoris, Heinrich Kramer et inquisitoris Jacobus Sprenger, et maintenant inquisitoris Manuel Valls, avec sa chasse aux sorcières, aussi plus suisse qu'espagnol ou français. Avec plein d'incubi et succubus de son oligarchie de Manuel Valls derrière lui, ce qu'un vrai musulman appelle des djinns, ou plus actuel, des reptiliens comme sur le billet de 50 francs suisses. Vous voyez le reptilien sur le billet de 50 francs suisses? Mais comme les Suisses, ils ont froid comme des reptiliens, ils savent que calculer. Calculer et calculer, hein, comme l'argent. Donc, les banques suisses vont se lier avec des reptiliens. C'est vert, comme un reptilien. C'est une preuve, un indice, plus qu'un indice. Donc, c'est dans ce film-là. Je suis blanc, non patriot, non religieux, non musulman, pour la paix et contre cette injustice criminelle de ces nazis templiers de la Suisse octogone et l'ennemi de l'intérieur sous toutes les postes clés, qui font descendre l'humanité en enfer, juste pour remplir leur coffre-fort suisse, dans leur base de Montfort, dans les Alpes. Auschwitz réalisé par la Suisse. Et par les banquiers de cette oligarchie suisse.